Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Far Cry 3 et on est parti. On commence direct en utilisant la tyrolienne. Ok ma gueule, c'est épique. Donc juste une petite musique. Hop là. Efficace, hein? C'est fait. Bien. Montre-moi ta carte. Donc on ouvre la carte. Tu vois, et tout ce que tu dois on a accès à plein de trucs. Révélé par la tour radio, les boutiques. Les aventures, l'île te parle. Et les marchands viennent de loin, Jason, comme toi. Ils utilisent les tours radio pour faire du business. Et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier doit chasser. Ok. C'est dans l'ordre naturel des choses. Donc là, on doit aller chasser. Regarde la carte. Choisis ton terrain de chasse. Fais confiance à on doit aller chasser de la peau de je ne sais trop quoi. On va bien voir, écoutez. Donc je suis toujours en facecam au fait pour cet épisode. J'espère que ça vous fait plaisir, mais ce sera pas le cas pour tous. Les peaux d'animaux et le cuir te permettront de porter plus d'armes et d'équipements. En gros, il y a plein de peaux qui ne serviront à plein de choses, vous allez voir ça. Puissants médicaments pour te soigner, affûter tes sens ou t'avantager. Va, reviens me voir quand tu auras maîtrisé la jungle. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis censé faire quoi? Ok, alors, on va peut-être pas y aller au flingue. J'ai vu que, premièrement, il y avait une plante là. Ça m'intéresse. Ah, j'ai que deux trucs de vie. Ah ouais, c'est chaud. J'ai même pas confection encore. Ok. Je vais juste aller voir si je peux m'acheter l'autre arme. C'est là le... C'est là. Donc, déjà on va vendre tout ça. Est-ce que des choses à vendre? Mitraillette. Donc vous voyez... fusil à pompe, non, fusil d'assaut. Celui-là je l'ai maintenant. On va le prendre. On va l'équiper. On va le mettre là. Je préfère prendre ça. Et dans le village, on n'a pas le droit aux armes. Et donc, je vais me rendre vers ma destination qui est pas très très loin. Donc, c'est un open world. Hein, donc, je suis libre dans la jungle. On va sortir par là. Il n'y a pas de voiture. Bon, c'est pas grave. On va y aller à pied. C'est pas très loin. Donc, voilà. J'ai mon petit fusil d'assaut tranquillement. Et je suis content parce que je fais 60 FPS même en tournant. Alors je vais pas gaspiller mes balles pour toi. Je voudrais juste régler option. Commande sensibilité du regard. Encore un petit peu. Ouais, ça va être mieux. Ah, j'ai inversé la caméra. Ah, je déteste ça. Je peux pas jouer avec ça moi. Enfin, c'est personnel hein, mais moi je ne peux pas. Donc on va devoir aller chasser de la peau de sanglier ou de cochon, je sais pas trop ce que c'est. Bon, on va découvrir ça ensemble les amis. Alors là vous voyez, il y a un petit coffre. Donc c'est par le petit diamant. Alors, vous voyez que là il y a rien. Donc c'est qu'il est sous terre. Bon, il n'y a pas d'entrée pour le moment, mais ça veut dire que sous terre il y a quelque chose. On découvrira ça un petit peu plus tard. Donc, et l'endroit où on doit aller chasser est juste là. Il y a une feuille verte, on va aller la prendre. Voilà, donc là, on a un nombre d'objectifs à faire. Une feuille verte, j'en ai déjà une. Aïe! Bah, il y en a un là. Ok, j'ai déjà une peau de sanglier. J'ai déjà une peau de sanglier. Alors, pour se soigner, j'appuie sur Y. Hop, on récupère ma petite feuille rouge. Je vais encore récupérer d'autres feuilles vertes tant que je peux. Parce que c'est super utile. Hop, je descends tranquillement. Ah, il y a une grotte. On ira explorer ça après. Mais je vais d'abord me rendre là, je me soigne, tant qu'à faire. On va récupérer un petit peu tout ce qu'il y a à récupérer, les trésors, tout ça. Parce que c'est très utile. Ah bah parfait. Hop. Il me manque plus qu'une feuille bleue. D'habitude, dans mes souvenirs, je galérais à les chasser. Les sangliers, là c'est pas le cas, donc c'est cool. Et on va aller cueillir de la feuille bleue qui se trouve juste là. La feuille bleue, c'est des feuilles qu'il y a sous terre. Donc c'est bon. J'ai fini, je peux retourner au village. Alors, je pense que je peux y aller par déplacement rapide. Yep. Voilà. On y va par déplacement rapide.
Écoutez, je suis trop content de jouer à Far Cry 3 en let's play là, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, j'aurai du montage, mais c'est pas grave. Alors, il y en a pas ici, bah non, vu que si, bah si, ça c'est des, en gros ça c'est des magasins. Et je remplis mon inventaire, munitions, fusil d'assaut. Ah bah c'est plein encore, ok. La porte elle est... Elle est là, alors bon, hop, ça on s'en fout, voilà. Du coup, il est juste à côté. On va aller faire une petite mission avec Dennis. Et je vous promets que ça va être top. Dennis, j'ai les plantes et les animaux. Bien, tu vas imposer ta volonté à la nature. Je t'apprendrai. Alors, on va aller dans confection, en gros. Alors, et on peut confectionner des trucs. Bien, Jason. Tu pourrais même et un sac à butin. Plus puissantes dans la jungle. Et vous voyez, après, avec de la peau de tapir, on va en faire plus. Il y a d'autres. Rien, voilà. Transporter plus d'équipement. Tu peux confectionner de quoi transporter plus d'armes, d'argent, ah ouais, quand même. De butin ou de seringues. Vous voyez, il y a plein une de trucs. Chose, le tatouage sur ton bras, il signifie que tu es spécial. Que tu as l'âme d'un guerrier. Tu progresses le long du chemin. Je vais te montrer kit comment de seringue. L'utiliser. Pour chaque tatouage, donc là, en gros, voilà. On a de l'XP. On a deux points. Alors, je vais t'apprendre l'élimination. Moi, je vais prendre ça. C'est l'élimination classique. Hein. Et pour découpiller une grenade. Et ça, c'est quoi? On va prendre la grenade. Je trouve ça plus utile. Et voilà. Donc, quand on a des compétences, on a des nouveaux tatouages qui apparaissent. C'est quoi cet avant-poste où ils détiennent Lisa? Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook Island. Grâce à eux, les pirates de Vaas contrôlent tous les environs. Donc va falloir qu'on se batte. Oui, et ça en vaut le coup. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre deux coups. On est en guerre contre Vaas. Pour récupérer l'île, il faut reprendre les avant-postes aux pirates. Quand on en rend un au Rakyat, la zone devient plus sûre. On peut voyager plus vite et des occasions de développer des compétences de guerriers apparaissent. Qui est dans la voiture? Des guerriers Rakyat, de vrais Rakyat, qui vivent au cœur de l'île. Ils ont foi en toi grâce à ton tatouage. Écoutez, j'apprécie votre aide. Je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère. C'est la seule façon de les revoir en vie. Tu t'es enfui du camp d'esclaves. Tu as survécu. Tu dois te battre. Les hommes sont égaux, Jason. La différence, c'est que certains ne font rien. C'est tout. D'accord. Allons-y. Ok. Moi aussi. J'ai été un étranger ici. On va aller se battre, les amis. Pas seul, mon ami. C'est parti. Il est où le camp? Ok. On y va. On va se faire le camp. Alors le premier va pas être très compliqué. Tu peux décider d'attaquer de front. Écoutez, on va voir. Lisa, j'arrive. Oui, il y a un mec, donc on va le marquer. Alors ça marche pas. Donc ils sont quand même nombreux. Lisa, écoutez, on y va. Mais ils sont pas là. Ok. Ah merde, ils ont un chien. Ça, ça va être relou. Hop, on l'a eu. Attends, toi viens là. Oh, toi juste là. Ok. Non. Alors attendez, en fait je suis pas du tout au bon endroit. Hop, j'ai bien fait de me faire des seringues. Oh merde, les renforts. Ah non, Denis. Attends, c'est si Denis il arrive. J'ai plus de... D'accord. J'ai plus d'armes. Alors on va l'en prendre.
D'accord, j'ai plus d'armes. On va devoir finir au couteau. Hop. Ils sont tous morts et donc le camp est à nous. Donc là on va ramasser un petit peu tout ce qui traîne. On peut fouiller les corps. On va tout ramasser avant d'aller voir Lisa. Parce que ça va nous être très utile plus tard tout ça. Donc nos ennemis ils ont toujours des AK-47. C'est l'arme de base de nos ennemis on va dire. Donc je l'aurai assez souvent surtout au début. Vu que je ne peux avoir qu'une arme sur moi. Là il n'y a plus de cadavres. Là j'ai fouillé. On peut déposer le chien. Je sais pas si cette peau là me servira. Mais dans tous les cas je pourrais la revendre ou un truc dans le genre. Là il y a un mec. Je fouille vraiment tout parce que ça nous servira à revendre ou d'autres choses. Et on va aller prendre le dernier petit truc qui est là-dedans. Ok. Et on peut enfin aller voir si Lisa est ici. C'est parti. Tu diras bien maintenant, Lisa. Ils sont tous partis. Tu risques plus rien. Il est pas là. L'avant-poste près d'Amalaki a été attaqué. Où est la prisonnière américaine? On l'a perdue. Quoi? Mais elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île. Je t'en dirai plus quand on y sera. Elle s'est enfuie. Jason, tu fais honneur à ton tatouage. Tu es digne de suivre la voie du guerrier. On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale. Chez le docteur Earnhardt à l'ouest. Mais ne t'inquiète pas, l'endroit est sûr. Le docteur attend ton arrivée. À l'ouest? Vous savez de qui il s'agit? Non, mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres. Je t'avertirai par radio si j'ai des infos. Bombe le torse, Jason. La tribu est très impressionnée. Ok, la tribu est très impressionnée. Du coup, on doit aller... Alors, dans mes souvenirs, c'est hyper loin. Je dois aller où? Ah, ok. Alors attendez. Ça met pas de point d'XP là? Alors, c'est très loin là où je dois aller. C'est à... Ah non, c'est pas loin. C'est juste... vous voyez, je prendrai un pylône radio, un camp. Alors, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer par aller voir les armes, tout ça. Alors, hop. Arme de poing. Elle est dans quoi, la K-47? C'est un fusil d'assaut, ouais, ouais, voilà. On va prendre celui-ci parce qu'il est mieux. Quoique, cadence de tir. Précision, c'est la même. Mais celle-ci fait plus de dégâts, donc je vais garder celle-ci. Je vais vendre tous mes trucs. Peau de chien me servira pas tout de suite et c'est très facile à avoir. Un spécial. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de choses consommables. On trouvera des feuilles en route. On va aller faire des petites missions. Juste en face, là, sur le panneau, vous pouvez voir qu'il y a une tête de cerf, une tête de mort. C'est des missions qui nous permettent de débloquer beaucoup de choses, comme par exemple d'un nouvel emplacement pour les armes et tout. Oh, avec un tigre, cool. En gros, on doit aller à un emplacement spécifié. On a un animal à tuer. On va y aller en voiture. Donc, on peut prendre toutes les voitures du moment qu'elles soient en état. Je peux pas encore les réparer, mais j'ai jamais le truc pour les réparer sur moi, de toute façon. Donc, c'est pas grave. Donc, on y va plutôt tranquillement. Hop. On arrive à l'endroit spécifié. Hop, tu sors de la voiture, Jason. Donc, je dois prendre un fusil à pompe. Je dois aller tuer le tigre dans la zone indiquée. Alors, qui va pas être chose facile. Est-ce que je peux me confectionner? Ok. 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 Confection. Chasse. Ah, il faut une feuille ambrée. Combat. Ok, bon, j'ai pas ce qu'il faut, c'est pas grave.
Ah, pourquoi c'est moche là comme ça? D'accord. En gros, je dois tuer un tigre. Alors, problème. Tigre, pas facile à tuer. Très dangereux. Donc, et là, il nous indique une très vaste zone. Donc, il peut être un petit peu n'importe où. Ah non, je dois tuer des chiens! Ah merde, j'ai même pas lu le truc. Bon bah, des chiens, ça va aller, hein, au fusil à pompe. Attendez, on va essayer de les attirer. Ok, ils sont là. Ok. Alors par contre, comment ça se fait que j'ai déjà plus de balles et que je suis obligé de... Alors attendez. Allez, soigne-toi. Soigne-toi. Alors, en fait c'est chiant parce qu'ils sont hyper rapides. Non, ah merde, là je dois vraiment recharger. Oh putain, je vais jamais avoir le temps de recharger quoi. Ok, parfait. Il en reste un. Il est où? Coco. Ah, t'es là? Voilà. J'allais dire, lui, il faisait pas le bruit de chien. Alors, on va les dépecer. Alors ça, c'est des chiens enragés. Et donc, ça nous a, en gros, donné beaucoup de... Ça nous a donné beaucoup d'argent. Par contre, du coup, j'ai une arme un peu que j'aime pas, quoi. Ok, on va aller prendre... J'ai vu qu'il y avait plein de... En fait, je suis un peu au même endroit que tout à l'heure. J'ai vu que là-bas, voilà, il y avait une cabane avec plein de trucs et une quête. On va se faire tout ça. Donc là, vous voyez, pareil, il n'y a pas de trésor, donc ça doit être en dessous. Mais là, on va tout prendre. Ça, c'était des munitions. Là, conteneur. Là, il n'y a plus rien, ça va être dedans après. Conteneur. On recharge. Et on va se faire la quête. Tuez-le au couteau. Oh, c'est loin. On doit tuer un mec au couteau, heureusement. Il y a une voiture là. Ah. Problème. Ils sont nombreux. Il y a des chiens, j'en profite, je fonce dedans. C'est des hommes de Vasse. Mais là, ils sont assez nombreux. Non, sors de la voiture. Oh, pile à temps. Oh, il y a un dragon de machin. De Commodore. De Commodore. C'est assez dangereux comme bestiole. Par contre, j'en profite parce que là, je peux les tuer facilement. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres parce que ça, ça pique. Hein. Oh, ça, c'est de l'une chèvre, je sais pas trop. Ouais, chèvre. Il n'y avait pas un autre monsieur? Si, je t'ai poussé avec l'autre voiture. Et je vais reprendre ceci. Et je vais prendre une voiture à eux. Parce qu'à son... dans mes souvenirs, elles sont mieux. Oh, il y a des mecs derrière. On va se les faire, hein. Allez, crève! Oh là! Allez, soigne-toi! Quoi? Oh non! Là, je vais mourir. Je suis mort. Oh, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les dragons? Putain. Ouais, ça, c'est la malchance. Je peux pas me taper tranquillement. Même par contre, deux barres de vie, c'est chaud, hein. Ça fait bizarre, hein. Du coup, je reprends où? Je l'ai encore ma quête?
Attendez, parce que moi, du coup, j'avais pris la quête, là. Défi Rakiat. Ouais, moi, j'avais fait cette quête-là. Bon, on va aller faire celle-ci. Ouais, attends, c'est de faire celle-ci, puis on va se laisser là. Voilà, ça fera un petit épisode de 20 minutes. Par contre, ouais, tu fais pas chier. Non, pas fusil de sniper, fusil d'assaut. Non, équipé. Et on taille. Je devrais me faire des seringues, mais bon. Ok. Tuer le couteau, d'accord. Oh, il est pas loin, on va y aller à pied. Hop. Il est vraiment pas loin. Oh, c'est stylé ici, j'étais jamais venu. Marquage d'ennemis. Ah oui, c'est ça. Non, comment sort l'appareil photo? D'accord, là, donc là, je peux marquer des ennemis. Donc celui avec la petite étoile. C'est celui que je dois tuer. Donc on va le ranger. On va passer là-dedans. Histoire d'être discret, je peux avancer. Ouais. Alors par contre, il est bien protégé d'un peu tous les côtés. Donc on va commencer par tuer lui. Attendez, on va lancer une pierre tout là-bas. Donc là ils m'ont vu, mais c'est pas grave, je vais tous les tuer sauf le chef. Sauf le chef, donc lui, hop. Allez. Quoi, mais... Oh, putain. On prend trop cher. En fait, je vais pas y aller discrètement. Je vais Il fait trop chaud pour travailler. Achevez-moi. Parfait, là il est caché. Et je vais peut-être faire une full élimination. Et voilà. Ah, mon truc il est plein, je suis plein. Je suis plein, c'est pas grave. Je vais prendre ce que je peux. Ah non, mon portefeuille est plein. Ah ok, par contre là, ça m'intéresse parce qu'ils disent qu'il y a un trésor. Ok, donc ça se revend tout ça. Ah, ok, donc on va aller vendre tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que entre les deux épisodes, c'est simple, j'ai besoin, on va aller voir. Dans confection, portefeuille, j'ai besoin de peau de cochon. Je vais aller en chercher hors épisode. Sac à butin, peau de tapir, j'ai pas. Holster d'armes, peau de chèvre. Ah, merde, c'est dommage que je sois mort. Peau de cochon, donc il me faut de la peau de cochon. Est-ce que je peux trouver du cochon dans les parages? Est-ce que ça c'est sanglier? C'était sanglier? Bon. De ce qu'on va faire entre les deux épisodes, c'est que je vais essayer de refaire cette quête. Je fouillerai un petit peu. Tout ça. Dans le prochain épisode, on ira prendre ça. Ça, j'ai jamais fait. Enfin bref, on verra bien. Donc les amis, je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce deuxième épisode de Far Cry 2. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, à vous abonner et à liker. Je vous dis allez, ciao tout le monde!